Saint-Épin est un petit village situé à environ 30 km au sud-ouest de Tours. Situé à la croisée des voies gallo-romaines Tours-Poitiers et Loches-Chinon, il fut jadis un carrefour stratégique, ce qui explique l'important développement du bourg jusqu'au XVe siècle. Il fait aujourd'hui partie de la communauté de communes Touraine-Val-de-Vienne et compte une population d'environ 1600 habitants. Appelé Brigogallus au 8e siècle, nous allons voir que Saint-Épin recèle encore de nos jours de nombreuses traces de son lointain passé. Sa vie actuelle est celle d'un paisible village tourangeau où il fait bon vivre, entre activités économiques essentiellement agricoles et une vie locale ponctuée par de nombreux moments festifs. Alors, allons à la rencontre de Saint-Épin. La grande rue à Saint-Épin. Les enfants endimanchés posent pour la photo sous le regard curieux des adultes. En 1912, à côté de la chapellerie, des commerçants posent devant leur magasin. Rue du Bourg Giraud, c'est tout un quartier qui se fige l'espace d'un instant. Ils sont nos aïeux, détenteurs de notre passé, détenteur de notre mémoire, artisan de nos vies. À Pâques, c'est la traditionnelle brocante. C'est aussi au premier beau jour l'occasion de se retrouver. Le printemps émoustille les canards et les modélistes navals ont ressorti leurs maquettes. Puis au mois de juin, c'est la fête de la musique et des vieilles mécaniques. Un rallye auto fait parcourir aux nombreux participants le terroir du Chinonnais, alliant ainsi tourisme et bonne humeur. Thank you.
L'association des anciennes mécaniques saint-épinoises restaure aussi bien les voitures que les vieux tracteurs. Mais elle n'est pas la seule à s'intéresser à nos anciens bolides. J'ai le plaisir de vous montrer cette B14 Citroën que vous avez pu découvrir lors des premières images du film. Cette Citroën date de 1926. À l'époque, la vitesse de pointe était de 70 km/h. Mais bon, on l'utilisait à 50-60 km/h et on faisait du chemin. Les gens, certains commerçants, emmenaient leurs marchandises à Paris. La passion des automobiles, on peut dire que je l'ai toujours eu, tout petit. On m'avait offert quelques petites Dinky Toys, des répliques de Bugatti, des choses comme ça. Puis je rêvais un jour d'avoir une belle voiture. Et bien des années plus tard, c'est M. Ratz, ce garagiste à Saint-Épin, qui m'a proposé une traction qu'il avait. Elle n'était pas en parfait état. Mais bon, c'est parti, c'était la première voiture. Et ensuite, de filer en aiguille, on a continué. Il y a eu la B14, un trèfle, et puis voilà. Je veille à maintenir les voitures en bon état de marche. Et d'ailleurs, je vous propose, si vous voulez bien me suivre, de faire un tour du côté de Montgaugé. Attention. Le premier seigneur connu du château de Montgaugé au début du XIIe siècle fut Philippe de Montgaugé. À l'époque, c'était avant tout une forteresse et c'est au fil des siècles qu'il se transforma en résidence. Il était composé de trois grands corps de logis, encadrés par quatre tours démantelées pendant la Révolution et dont l'une d'elles contenait une chapelle. Il fut tour à tour la propriété de nombreuses familles, passant notamment par les maisons de Sainte-Maure, de Pressigny, du Gast et de Choiseul. Il se dit que Louis XI, fils de Charles VII,
y séjourna le 20 octobre 1479 et que Henri de Navarre, futur Henri IV, fit de même les 10 et 11 septembre 1587. Après qu'il ait été restauré, le 4 mars 1883, un violent incendie détruisit les trois quarts du château. L'aile, qui fut épargnée par les flammes, fut remise en état. Pendant la dernière guerre, l'armée allemande la réquisitionna et en 1943, un second incendie s'y déclara, réduisant définitivement le château à l'état de ruine. Nous ne pouvons aujourd'hui que contempler celle-ci et imaginer la vie intrépide et lourde d'histoire du domaine de Montgauger. Mais quelle est l'histoire du martyr Saint-Épin qui donna son nom au village? Elle se passe au IVe siècle. On ne peut évoquer la vie de Saint-Épin sans parler de celle de Saint-Martin. Martin était né en 316 de parents païens en Pannonie, l'actuelle Hongrie, qui faisait alors partie de l'Empire romain. Son père, militaire gradé dans l'armée, l'y fit entrer à l'âge de 15 ans. À cette époque, l'Empire romain règne encore sur toute la Gaule. Et c'est en tant que soldat romain que celui qui deviendra Saint-Martin arrive en France. Mais dès l'âge de 10 ans, le jeune Martin souhaitait se convertir au christianisme et son rôle de militaire ne lui plaisait guère. Un soir d'hiver, en garnison à Amiens, son sens de la charité lui fit partager son manteau avec un pauvre transi de froid. Lorsqu'il put enfin quitter l'armée romaine en 356, il consacrera désormais sa vie à sa foi chrétienne. Il sillonnera alors l'Empire afin de convertir les chrétiens ariens. C'est ainsi que Maure, mère de 9 enfants dont Épin, et qui font partie du peuple wisigoth, sera touchée par les prédications de Saint Martin de passage sur leur territoire. Vers l'an 390,
Mort décide de se rendre à Tours avec ses enfants afin de se faire tous baptiser par saint Martin. Mais faisant partie d'une caste wisigothe de haut rang, sa famille et les autorités ne peuvent accepter cette conversion. Ils envoient alors une armée de 50 hommes du côté de Tours afin de les faire abjurer. Mais tous refuseront et tous seront tués les uns après les autres. Épin sera rattrapé sur l'actuelle commune de Saint-Épin, au lieu dit Théier, où il aura la tête tranchée. Saint-Épin fut construite au XIIe siècle, remplaçant un édifice plus ancien datant du 8e. C'est au fil du temps qu'elle prendra peu à peu sa forme actuelle. Le maître-autel de 1898 est orné entre autres des statues de saint Martin et saint Épin. Deux tableaux du XVIIe siècle représente le Christ couronnant une religieuse et le baptême de celui-ci par saint Jean-Baptiste, dont on retrouve une magnifique statue datant du XIIIe siècle située sur les fonts baptismaux. Des vitraux du XIXe de l'atelier Tourangeau-Lobin représentent ici Saint-Épin. Cet autel lui est consacré et l'on peut y voir un reliquaire contenant un fragment d'ossement du martyr. Autrefois, le village était entouré de murailles afin de se protéger des envahisseurs. Aux quatre coins de celle-ci se trouvaient des portes reconstruites en 1437, mais une seule est arrivée jusqu'à nous. La porte occidentale dite de la prévôté. Sous le porche, derrière cette porte, se trouvait le cachot, qui fut aussi probablement un poste de garde. Au premier étage se trouvait une salle appelée salle du prévôt, ornée d'une belle cheminée au pied droit mouluré. Au second se trouvait la salle des gardes. Jadis, la mairie faisait face à des maisons situées de l'autre côté de la rue. Mais dans les années 1960, il fut décidé, pour des raisons de commodité de circulation, de détruire celles-ci, lesquelles, par leur présence, rétrécissaient le passage. Avec la fontaine qui rappelle les pas des chevaux au gué de Maubuis amenant Jeanne d'Arc à Chinon, c'est une belle place qui désormais fait face à l'hôtel de ville où parfois sont exposées des œuvres picturales. Cette maison date du XVe siècle. On peut remarquer que les fenêtres se trouvent au ras du sol. C'est tout simplement parce qu'au fil des siècles et des crues de la Manse toutes proches,
la rue a été comblée afin d'éviter les inondations. Des fenêtres à meneaux encadrent une sculpture à crochets de feuillage qui n'est pas d'origine et qui se trouve au-dessus de ce qui jadis était une porte donnant sur la rue. Une poivrière d'ardoise couvre cette tourelle en encorbellement que l'on peut dater, mais sans certitude, du XVIe siècle. Juste à côté de la Manse se trouve une belle maison du XIXe qui à l'origine appartenait au docteur Clamouse. On retrouve d'ailleurs sur ce médaillon la lettre C pour Clamouse. En empruntant un petit pont, on se retrouve de l'autre côté de la Manse. Ce mur de pierre repose vraisemblablement sur ce qui était autrefois le mur de fortification du village. En juillet et août, c'est l'estival des artistes peintres. On peut alors visiter des expositions et à la maison de pays, des artistes exercent leur art. Sur les hauteurs, à 1 km au nord de Saint-Épin, se trouve la ferme de la famille Léger. Pendant que Pascal sème du millet dans l'un de ses champs, Véronique, son épouse, nous fait découvrir la ferme, ses différentes productions et fabrications maison. Nous sommes sur une exploitation céréalière sur une surface de 110 hectares où nous allons produire principalement du blé, du tournesol, du colza, de l'orge, du trèfle, de la luzerne et nous avons une toute petite parcelle de safran. 600 mètres carrés de safran où nous allons produire grosso modo 120 grammes de safran à l'année. Et juste pour vous faire une comparaison avec le blé, on va produire 300 à 350 tonnes de blé à l'année. Vous voyez, 350 tonnes d'un côté, 160 grammes de l'autre. Ça a l'air de rien et pourtant la production de safran, c'est aussi beaucoup de travail. Produisant du colza, du trèfle, du blé, Véronique a alors l'idée de transformer elle-même celui-ci en farine et doit pour cela se transformer en meunière. Meunière, c'est-à-dire faire la transformation du grain de blé en farine, faire le pesage
et l'étiquetage et la commercialisation et la communication qui va avec. C'est avec ce moulin capable de fabriquer 70 kg de farine à l'heure que Véronique assure sa production. L'idée, c'était de mettre la bonne farine de Touraine de notre ferme et notre safran, de mettre le sucre et toute la préparation qu'il faut. Et donc, vous n'aviez plus qu'à rajouter le beurre et les œufs mélangés, mettre dans les petits moulins madeleine au four. Et 10 minutes après, vous aviez des madeleines au safran. J'ai fait les madeleines à la vanille, puis je me suis lancée dans les cookies, puis j'étais voir ma belle-mère pour qu'elle me donne sa recette de pain d'épices qui est délicieuse. Après, j'avais les vieilles recettes de ma mère qui sont aussi des préparations que j'ai mises en place. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de références de préparations sucrées et préparations salées que je propose à mes clients. Mon beau-père a transmis à mon mari le savoir-faire de l'apiculteur. Il lui a donné quelques matériels et pour le coup, nos abeilles produisent le miel et nous vendons donc la récolte des abeilles sur la ferme également. Vous trouvez les produits champs de blé dans les magasins de producteurs en Touraine, mais également sur d'autres départements. Aujourd'hui, j'ai une trentaine de points de vente sur 5 départements. Vous trouvez également mes produits, bien sûr, sur la ferme, et puis en vente sur Internet, puisque j'ai un site Internet qui permet de faire des commandes dans toute la France, mais également des commandes groupées et drive à la ferme. Sur la période estivale, nous proposons un apéro balade tous les jeudis d'été, à partir de 17h, donc c'est une petite balade d'environ 2 km où vous allez rencontrer donc le rucher, la safranière, la truffière, le noyer, du petit patrimoine rural. Et donc c'est une balade à énigmes qui permet de découvrir le terroir en s'amusant. Et ça se termine par un apéritif à base de truffes, de foie gras, de fromage de chèvre, de safran, avec le fameux safrandisiaque qui est la boisson typiquement conçu par moi-même. Voici à la ferme de la Morinière, que l'on appelle également la ferme fortifiée. Thierry Marcatel réside dans cette maison dans laquelle ses aïeux vivaient déjà au début des années 1700. Nous sommes à la ferme de la Morinière. Cette ferme comprend un bâtiment principal d'habitation qui est le bâtiment d'origine qui pour nous a été construit, on pense, entre le XIIIe et le XVe siècle à peu près. Ensuite, d'autres bâtiments ont été construits pour les besoins de la ferme, tels des granges, tels écuries aux chevaux, écuries aux vaches. Tout ça à ce niveau zéro des bâtiments. En effet, les lieux sont situés sur 3 niveaux. Le niveau supérieur accueille tous les corps de bâtiments. Le niveau intermédiaire est composé de 2 petits bâtiments et de caves. Et au niveau inférieur se situent exclusivement des caves troglodytiques. Sur ce niveau principal d'habitation, ce premier niveau d'habitation, nous avons un niveau intermédiaire où est situé plusieurs caves troglodytiques, des caves troglodytiques d'habitation, où mes arrière-grands-parents ont habité, et des petits bâtiments construits qui datent aussi de la période à peu près du XVIIIe. Dans ces habitations troglodytiques, surtout celles-ci, on peut voir une cheminée existante de cette époque et qui a été transformée, dans laquelle on a creusé un puits pour approvisionner les bâtiments supérieurs. Donc ce puits fait 17 mètres et nous sert toujours aujourd'hui, ne serait-ce que pour arroser le jardin.
Nous nous trouvons maintenant près du niveau inférieur où l'on peut découvrir plusieurs caves troglodytiques. Ces caves troglodytiques ont été occupées en termes d'habitation. On trouve près de ces habitations troglodytiques, presque à chaque, on trouve un four qui permettait aux gens de préparer, de faire leur cuisine et de se chauffer. Donc c'était bien des lieux qui étaient habités. Ces gens qui habitaient dans ces caves travaillaient à la ferme de l'étage supérieur. Ils avaient accompagné à chaque cave un petit morceau de terrain juste en bas et là, ils pouvaient cultiver leur jardin et puis avoir leurs fruits et légumes. La vie dans ces caves était un petit peu spartiate, c'était certainement une vie très difficile. Elle était constituée souvent de deux lieux de vie, coupés entre deux avec une cheminée. Et d'une partie, il y avait les endroits où les gens dormaient, couchaient. L'autre partie était certainement le lieu où vivaient des animaux, où on peut retrouver des auges où les animaux pouvaient manger. Donc dans cette ferme, vivait toute une famille, comme dans beaucoup des fermes de la région, et une certaine hiérarchie familiale s'établissait, où les grands-parents habitaient souvent la ferme principale, c'est-à-dire au niveau supérieur, et puis ensuite, les enfants venaient, lorsqu'ils se mariaient, habiter dans les caves inférieures, aménagées, pour pouvoir vivre et exploiter la ferme avec leurs parents. Et puis bien sûr, par la suite, ces enfants venaient prendre la place des aïeux au niveau supérieur. Quelques centaines de mètres de là se trouve un lieu vraiment insolite. La cave fourte ou souterrain refuge. La cave fourte fait partie des ensembles troglodytiques de souterrains refuges de Touraine qui ont été creusés entre le 8e siècle et le 12e siècle. Ce sont des fouilles faites sur la LGV qui ont permis de déterminer ces dates précises par l'étude du mobilier retrouvé dans ces souterrains. Le souterrain refuge était creusé au fond des habitations troglodytiques. Il permettait aux habitants de s'y réfugier lorsqu'un danger très fréquent à ces époques se présentait. L'entrée originelle du souterrain n'est plus accessible de nos jours suite à des mouvements de terrain et se fait désormais par une cavité qui s'est formée naturellement au fil des siècles. Ce souterrain refuge est constitué de différentes salles et de couloirs. Dans ces couloirs, on va trouver tout un système pour ralentir l'avancée de l'assaillant, de façon à ce que tout ce qui était de valeur reste intact à l'intérieur. On va donc avoir des systèmes pour que l'assaillant soit obligé de passer au-dessus ou dessous. On retrouve donc ces fameuses saignées qui sont horizontales. Puis après, ce qu'on appelle des portes, c'est-à-dire des saignées verticales que l'on fermait, et qui pouvait être défendu de l'intérieur.
La salle du pilier tronqué est une caractéristique de la cave fourte. Ce pilier, dont il manque un morceau, ne servait donc pas à soutenir la voûte. On peut supposer que certaines effigies étaient là et ont été détruites pour ne plus qu'on les voie. Ces souterrains ont servi aussi durant l'époque moderne. En 1870, alors que c'était la Commune à Paris et que les Uhlans arrivaient à Tours, des habitants de la région ont stocké ici de la semence et de la nourriture. Durant la dernière guerre mondiale, les habitants affectés à la surveillance de la ligne venaient se réfugier dans le souterrain pendant les bombardements. Ils ont peint un petit graffiti représentant leur nom. Après ce petit couloir, nous nous trouvons dans la dernière petite salle. Cette salle a la particularité d'avoir une petite cheminée d'aération qui permettait aux gens qui étaient réfugiés à l'intérieur de pouvoir respirer tranquillement. Pour pénétrer dans la salle qui était à l'origine l'entrée du souterrain, il faut emprunter ce boyau. Au-dessus de l'entrée d'origine, dans cette anfractuosité, pouvait se tenir un homme afin d'arrêter un éventuel assaillant. Cette partie du souterrain, aujourd'hui comblée, devait mener vers une sortie cachée dans les bois afin de voir si le danger était passé. On ne trouve pas de documents d'origine sur ces souterrains parce que c'était des souterrains secrets. Dans aucun acte de vente, les actes de succession, on ne parle pas des souterrains, parce qu'il ne fallait pas en parler. Le fromage de chèvre, Sainte-Maure de Touraine, est une appellation d'origine protégée. Nous rendons visite ici à la chèvrerie des Bourdes. Bonjour, je m'appelle Sylvie Desbourdes, je suis installée à Saint-Épin avec mon mari depuis 1992. Nous avons créé l'atelier Caprin qui n'existait pas ici car l'exploitation appartenait à mes beaux-parents, mais ils n'avaient que des terres. Donc nous avons pris l'initiative de faire du fromage de chèvre. Nous possédons 280 chèvres en production. Nous avons 100 chevrettes d'élevage et en fait la race que nous utilisons pour les fromages de chèvre, c'est la race des chèvres alpines. Ce sont des marrons que vous voyez derrière moi. Sinon, nous travaillons aussi avec des sanennes. Ce sont des chèvres qui sont blanches. Les races également autorisées pour l'appellation d'origine protégée, ce sont les poitevines et les croisées de ces trois races-là en fait. Après, par rapport aux chèvres, elles ont une alimentation issue essentiellement de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'orge, du foin, de la luzerne essentiellement, du maïs en silage et du tourteau de soja. C'est le seul aliment que nous achetons car nous n'avons pas assez d'hectares pour tout produire. Les céréales sont stockées dans ces silos. Selon un dosage précis, des brouettes sont remplies afin ensuite de les verser dans cette benne.
seront enfin passés dans une mélangeuse pour obtenir un aliment complet. Nous faisons la traite le matin et le soir, 365 jours par an. Et en fait, les chèvres viennent à la traite plus facilement quand on leur donne un petit peu d'orge. Parce que sinon, elles sont un petit peu quand même capricieuses et elles sont très curieuses. Donc elles vont regarder tout ce qui se passe à l'extérieur, sauf de venir à la traite. Curieuses ces petites chèvres? Certainement. Mais grâce à l'orge qui se trouve devant leur museau, le calme revient vite. Et pendant ce temps, on prépare la gourmandise, le tourteau de soja. Et à la fin de la traite, c'est carrément la ruée vers l'or. Après la traite, nous mettons le lait à prendre, c'est-à-dire que nous mettons de la présure pour qu'il devienne de l'état liquide à l'état solide. On le laisse comme ça pendant 24 heures et à la suite de ces 24 heures, nous l'emmoulons, c'est-à-dire que nous le mettons dans des moules qui là va rester pendant 48 heures. Au bout des 48 heures, on démoule le fromage et c'est là qu'on met la paille, qui est une paille de seigle, qui est gravée au nom du producteur avec son numéro d'agrément européen. Après cette étape, je sale et je cendre mes fromages. C'est une préparation à base de sel et de cendre végétale. Je dépose ensuite mes fromages sur des grilles qui sont conservées dans une salle d'affinage à peu près une température de 10 voire 12 degrés pendant à peu près 10-11 jours. En fait, il faut savoir que pour un fromage de chèvre en appellation d'origine protégée, un laps de temps entre la traite et la vente du fromage doit être minimum de 11 jours. Le village a également une vocation touristique. Des gîtes sont à la disposition des vacanciers, comme ici, à côté de la ferme fortifiée. Ils sont situés dans un joli cadre de verdure, dont on peut pleinement profiter, que ce soit au printemps, à l'été ou à l'automne, et juste à côté d'un petit étang, propice à la pêche. Ceux qui préfèrent le camping, il y a celui du Bois Fleuri. Convivial et familial, il permet à tous ceux qui aiment la vie en plein air de profiter du calme de la campagne tourangelle. Et pour peu que vous soyez un amateur de voitures anciennes, alors là, c'est carrément le paradis.
Et après une balade autour de l'étang, rien de tel qu'une petite soirée entre amis et en musique. Et pour tous les amoureux de la nature, de nombreux sentiers de randonnée vous permettront à pied ou en vélo de faire de superbes balades. La station d'expérimentation fruitière de la Morinière, implantée au bord de la route qui relie Saint-Épin à Sainte-Catherine-de-Fierbois, est située sur un domaine de 65 hectares, dont 36 de vergers. C'est son président qui nous y accueille. Bienvenue à la station de la Morinière, station expérimentale basée sur la commune de Saint-Épin. Cette station a plus de 25 ans, puisqu'elle a été basée construite dans les années 1980. Les recherches au niveau de la station de la Morinière sont basées effectivement sur la production de pommes, de poires et d'une façon plus marginale de cassis et de groseille. Nous sommes en culture biologique sur la pomme et la poire et en culture conventionnelle ou agroécologique sur l'ensemble du verger. L'ensemble du travail de recherche et d'innovation qui est fait à la Morinière par l'ensemble des ingénieurs est fait au profit et au bénéfice de l'ensemble des arboriculteurs de tout le nord de la France. C'est dans ce laboratoire que l'on procède à l'évaluation de la qualité des fruits. Cette machine teste la fermeté, la teneur en sucre et le taux d'acidité de chaque fruit. Les fruits qui sont conservés à la station font à nouveau l'objet de ces mêmes tests lors de la sortie des chambres froides. Les informations ainsi récoltées sont collationnées par informatique. Nous avons la chance aujourd'hui de nous rencontrer un jour où les pommiers sont en fleurs et grâce à l'ensemble des abeilles qui sont dans les vergers, qui permettent de féconder d'une fleur à une autre fleur, nous avons après un fruit. Deux types d'abeilles interviennent sur les arbres de la station. Les abeilles issues des ruches implantées un peu partout dans les vergers et des abeilles sauvages. Ici, ce sont des abris confectionnés spécialement pour les abeilles sauvages appelées osmies, afin de les sédentariser sur le verger. Ces réserves d'eau sont alimentées l'hiver grâce à un drainage réalisé dans les vergers.
Elles servent ensuite à irriguer les arbres via un système de goutte à goutte. Un thème nous tient à cœur au niveau de la station de la Morinière, c'est bien l'agroécologie. Comment effectivement pouvoir, si je peux me permettre, rendre un arbre heureux dans son environnement, qui permet effectivement de diminuer les intrants et tous les apports que l'on peut faire au niveau de l'arboriculture. Pour nous aider dans ce travail, nous avons également une grande partie biologique à la Morinière. Nous avons doublé la surface de la culture biologique à la Morinière, qui nous permet d'évoluer sur l'ensemble de l'agroécologie, sur tout le verger et tout le site de la station expérimentale. Parmi les nuisibles, il y a le Carpocaps du pommier. Il s'agit d'un papillon dont la larve pénètre le fruit pour n'en ressortir qu'à maturité. Elle rejoint alors le sol ou se réfugie dans une anfractuosité de l'écorce. Pour lutter contre cet agresseur de façon bio, la méthode employée ici est celle du confuseur sexuel. Ce petit objet en forme de brindille est imprégné d'hormones sexuelles femelles des Carpocaps. La phéromone se diffuse alors dans l'air et les mâles, désorientés, s'épuisent et meurent avant d'avoir pu s'accoupler. D'autres méthodes sont également à l'étude, comme l'utilisation des poules dans le verger. Celles-ci, en picorant, désherbent d'une part le pied des arbres et peuvent détruire les larves du Carpocaps qui se sont réfugiées dans le sol. J'aimerais rappeler également le lien social que l'arboriculture a sur les territoires. Juste à titre d'exemple, au niveau de la station de la Morinière, nous avons une quinzaine d'ingénieurs qui travaillent dans les laboratoires ou pour la recherche dans les vergers. Et au cours des travaux de l'arboriculture et de l'année, la taille, l'éclaircissage et surtout la cueillette, nous avons besoin environ d'une centaine de personnes juste sur le site de la station expérimentale de la Morinière. Il y a également le comptage des insectes se trouvant sur les arbres, ce qui permet ensuite d'adapter les traitements afin d'éradiquer les nuisibles. Les fruits qui ont été stockés en chambre froide afin d'étudier les meilleures conditions de conservation sont ensuite expédiés pour la commercialisation. La vallée de Courtineau est située entre le lieu appelé Pont-Neuf, à l'est, près de Sainte-Catherine de Fierbois, et le pont Goubeau, à l'ouest. Les coteaux sont principalement composés de tuffeaux jaunes, relativement faciles à extraire et à travailler. C'est pourquoi, au fil des siècles, la roche a été creusée et présente aujourd'hui de nombreuses caves, remises souterraines, et habitations troglodytiques. Mais l'on trouve également des maisons traditionnelles adossées aux coteaux tout au long de cette route qui serpente au milieu de la petite vallée. Et avec une superbe végétation, l'endroit est propice aux balades cyclistes ou pédestres.
Notre-Dame de Lorette se trouve à l'est de la vallée. Elle a également été creusée dans le tuffeau. Trois cavités la composent. Celle la plus à l'ouest est en partie effondrée et devait servir d'étable pour les animaux. La cavité centrale était une habitation dans laquelle se trouve encore une grande cheminée taillée dans la roche. C'est dans la cavité la plus à l'est que se trouve l'oratoire. L'origine de celui-ci reste encore de nos jours mystérieux. On parle d'un ermite ou d'un seigneur de retour des croisades qui aurait fait édifier ce sanctuaire afin de s'y retirer. En mars 1429, Jeanne d'Arc se rendant à Chinon se serait abritée dans la chapelle pour se mettre à l'abri de fortes pluies. On retrouve en trois endroits différents une sculpture représentant un croissant renversé. Le croissant, symbole de l'Orient, ici renversé, ce qui est rare, pourrait être un témoignage de la chute de l'Orient devant les croisades. Par ailleurs, cette croix sculptée au plafond de la chapelle fait penser à celle des Templiers. Une coquille rappelant le symbole des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle orne une piscine à burettes. Ici, la représentation de la Sainte Trinité est particulièrement inhabituelle. Dieu le Père est figuré par une tête de vieillard barbu, le Fils est symbolisé par un tombeau et le Saint-Esprit par un oiseau aux ailes déployées. Enfin, la présence d'une Vierge noire vient encore ajouter un peu plus de mystère à ce lieu, décidément énigmatique. Nous sommes toujours dans la vallée de Courtineau à Souvres. Cette petite route qui grimpe sur le coteau nous amène à la ferme de Sauvé. C'est dans la boutique située dans cette jolie maison ancienne que nous reçoit Madame Alexandre. Située en plein cœur de la vallée de Courtineau, le long de la vallée de la Manse, notre exploitation est en polyculture-élevage, c'est-à-dire que nous cultivons des céréales, mais que nous élevons aussi des animaux, des volailles et des bovins. Nous cultivons des céréales sur l'exploitation, essentiellement du blé, de l'orge, de l'avoine, du colza qui rentre dans l'alimentation de nos animaux, surtout l'orge. Nous cultivons aussi des pois qui rentrent dans l'alimentation, surtout des volailles. Toutes nos volailles sont élevées en plein air et alimentées par les céréales cultivées sur l'exploitation. Toutes nos vaches sont auprès de avril à novembre et rentrent en stabulation, c'est-à-dire dans une étape, toute la partie de l'hiver, où elles veillent à l'abri et où on peut surveiller les veaux. Nous avons un élevage de blondes d'Aquitaine, c'est une race de qualité de viande. Nous les vendons soit à des bouchers, soit en colis sur la ferme. Pour les volailles sont élevées en plein air, dans des bâtiments en bois, où elles sont au large, elles prennent le temps de grandir, elles ne sont pas abattues à 80 jours, elles prennent leur temps jusqu'à au moins 150 jours, sont nourries exclusivement au grain et sont surtout soignées avec des plantes. Nous utilisons beaucoup l'aromathérapie pour les soigner, parce que l'antibiotique n'est pas utile. Nous possédons notre propre abattoir sur la ferme,
ce qui assure moins de transport pour les animaux et surtout la traçabilité. Nous commercialisons nos volailles sur la ferme. C'est un choix de notre part pour rencontrer tous nos clients. Vous pouvez venir nous rencontrer tous les vendredis. Les volailles sont disponibles uniquement sur commande. Et vous pouvez visiter la ferme tous les 3e dimanche d'avril lors d'une journée porte ouverte. La construction du viaduc de Bénaud, commencé en 1848, fut achevée en 1852. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, qui l'inaugurera le 15 octobre de cette même année. L'architecte Jules de la Morandière fut le concepteur du viaduc. Long de 303 mètres avec ses 15 arches, il enjambe la vallée de la Mance. Il fut construit par une main-d'œuvre venue essentiellement d'Espagne. Les ouvriers étaient alors logés dans les caves résultant de l'extraction des pierres. Certains d'entre eux, d'ailleurs, se sédentarisèrent sur la commune de Saint-Épin. Les arches d'une hauteur de 31 mètres portent la voie ferrée Paris-Bordeaux à environ 34 mètres au-dessus de la vallée. Bombardé une dizaine de fois pendant la dernière guerre, le pont fut parfois endommagé, mais jamais détruit. Nous sommes au lieu de l'île Roche, où il y a plus de 1300 ans, les hommes creusaient déjà le tuffeau. Mais pour en faire quoi? Au 7e et 8e siècle, on enterrait les morts dans des sarcophages. Enfin, ceux qui en avaient les moyens. Et c'est ce que les carriers de cette époque fabriquaient dans le tuffeau. Ici, on peut voir les traces de l'extraction d'un sarcophage. C'est par cette cavité, aujourd'hui en partie comblée, que les cuves taillées dans le tuffeau étaient sorties de la carrière. Deux salles d'extraction sont encore visibles de nos jours. Allons y rejoindre Dominique Loret, propriétaire actuel des lieux. Au Moyen-Âge, on enterrait les morts dans de la pierre, dans des cuves en pierre, alors que la majorité des habitations, nous sommes en Gaule mérovingienne, étaient construites en bois. La roche utilisée est le tuffeau jaune, dont les qualités stratification, dureté et résistance autorisent la fabrication des sarcophages. Du 6e au 8e siècle, le site des roches était un centre de production de sarcophages trapézoïdaux de pierre, diffusé dans un rayon de 30 km, principalement dans la vallée de la Vienne. Ce sarcophage provient de la commune d'Assé, à côté de Chinon. Un sarcophage est constitué d'un couvercle et d'une cuve. On peut observer sur cette paroi le négatif d'extraction d'une cuve.
dans cette seconde salle, deux campagnes de fouilles ont été réalisées en 2010 et 2012. Les archéologues y découvriront alors de nombreuses traces d'extraction de sarcophages. On peut observer sur le sol de la carrière les négatifs de sarcophages. Les tranchées. Ainsi que les emboîtures délimitant le bloc extrait par les carriers. Ici, on observe le négatif d'un sarcophage d'enfant avec les diverses emboîtures creusées pour son extraction. Avec l'implantation dans les campagnes de la religion chrétienne vers le 8e siècle, les mentalités évoluent et l'on croit désormais à l'immortalité de l'âme. Ce sera la fin de la fabrication des sarcophages. Le Moulin des Roches est situé sur la Manse, à environ 3 km au sud-est de Saint-Épin. C'est un moulin de taille moyenne à 3 niveaux, caractéristique des moulins à eau situés sur la Manse. Reconstruit en 1664 et après la Révolution, son propriétaire était le marquis des Mauges qui possédait également le château de Brou situé sur les hauteurs de l'autre côté de la Manse. C'est grâce à cette manivelle que l'on peut actionner la vanne, qui permet alors à l'eau située dans le bief de se déverser sur les aubes de la roue et ainsi de la faire tourner. Le mouvement circulaire vertical ainsi généré est repris par un système d'engrenage qui le transforme en un mouvement circulaire horizontal qui sera repris aux étages supérieurs et utilisé afin de faire fonctionner toutes les machines nécessaires à la fabrication des farines. Le moulin des roches est à 3 niveaux. Les sacs de grains étaient hissés au niveau supérieur grâce à un treuil et un jeu de poulies. Le grain descendait ensuite par gravité au niveau intermédiaire du moulin où se trouvent les meules.
Trois paires de meules se trouvent dans cette pièce. L'une est dédiée à la farine boulangère, une autre à l'orge et au seigle, et la dernière à l'avoine. C'est à nouveau un jeu d'engrenage qui met en rotation des poulies, lesquelles, grâce à des courroies, mettront en action les meules, moulins à sacé et autres élévateurs à godet. Le babillard, cet axe métallique vertical, frappait en tournant l'auger afin de faire descendre le grain au centre de la meule. Si le grain venait à manquer dans la trémie alimentant la meule, un ingénieux système à base de cales et de cordelettes faisait tinter une cloche. Attention, meunier, tu dors, ton moulin, va trop vite. Cette paire de meules pour la farine boulangère est reliée à un élévateur à godet qui monte celle-ci à l'étage supérieur avant d'être transportée via une vis sans fin de l'autre côté de la pièce. Là, elle redescendait vers le moulin à sacé ou bluterie qui sépare la farine blanche dite farine boulangère, la farine grise et l'écorce, autrement appelée le son. L'incendie et l'explosion possible liée à la présence de farine en suspension étaient des risques importants dans un moulin. Pour les éviter, les meuniers avaient l'habitude de créer des courants d'air en laissant portes et fenêtres ouvertes, d'où l'expression bien connue « entrer comme dans un moulin ».